Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat ou si vous avez même cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez très bien que l'Afrique est une terre encore vierge, est une terre sur laquelle tout est à faire parce qu'il n'y a rien n'est encore fait. Donc vous savez très bien que l'Afrique doit encore produire des milliardaires. Mais bon, on ne peut pas devenir milliardaire n'importe comment ou n'importe quand ou en claquant des doigts. Il faut tout simplement appuyer sur les bons leviers pour pouvoir activer les bonnes sources de revenus. Et comme ça, dans cette vidéo, je vais essayer de survoler, entre guillemets, hein, parce que je suis pas un expert de ce domaine-là, mais on va dire que j'ai fait quand même pas mal de recherches, j'ai aussi regardé énormément de vidéos, je vais essayer donc ici de condenser comme ça les 5 secteurs qui feront des milliardaires dans les années à venir, dont 2022 et bien plus, parce que ce sont ces 5 secteurs-là qui, d'après mes recherches, sont les plus porteurs et les plus propices pour faire des milliardaires de demain. Mais avant de vous parler de tout cela, générique. Ici, on parle d'orientation, de reconversion, de digital et de tout ce qui est lié à l'écosystème de l'épanouissement de la jeunesse. Et donc, par conséquent, l'entrepreneuriat également, parce que je tiens à préciser que le volet entrepreneuriat de la chaîne a été ouvert depuis le mois de janvier, pour être précis. Et en effet, il vise ces gens-là qui suivent la chaîne, mais qui ne sont pas forcément directement reliés aux études, parce que tout le monde ne peut pas étudier. Hein. On le sait tous, tout le monde ne peut pas aller à l'école, tout le monde n'est pas fait pour étudier. Donc par conséquent, on a décidé de travailler de temps en temps des vidéos liées à l'écosystème entrepreneurial afin de permettre également à nos abonnés qui ne se voient plus dans l'écosystème étudiantin de pouvoir tout simplement rêver autrement, de pouvoir rêver à autre chose. Donc aujourd'hui, on va donc parler de quoi? Des cinq secteurs sur lesquels vous pouvez vous lancer comme ça en étant beaucoup plus serein en vous disant que ce sont les secteurs d'avenir, ce sont les secteurs qui feront des milliardaires de demain en Afrique, bien évidemment. Donc on va un peu survoler. Si jamais vous avez réellement besoin qu'on parte en précision dans un domaine, dites-le moi en commentaire. Je me chargerai de faire des recherches ou même d'inviter quelqu'un qui est à l'aise dans le domaine sur la chaîne afin qu'il nous parle de comment ça marche, tout simplement. Mais surtout, partagez la vidéo avec tous vos amis qui sont intéressés par l'écosystème entrepreneurial. Pensez à partager, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bien sûr, un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. C'est très important. Cela aide à l'algorithme de nous faire grimper quelques vues. Le premier secteur sur lequel il faut véritablement se concentrer, c'est l'agro-business. Normalement, la plupart des gens le savent déjà. Hein. Il n'y a plus besoin de le préciser. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, 60% des terres agricoles cultivables sont en Afrique. Vous imaginez ça? 60%. Ça veut dire que le grenier du monde, c'est l'Afrique. Il n'y a même plus de débat là-dessus. Quand on sait qu'on est 7 milliards et que ça ne fait qu'augmenter et que la démographie mondiale ne fait qu'aller de l'avant, notamment grâce au progrès de la médecine, donc on meurt de moins en moins et de moins en moins vite. Par contre, le taux de croissance de naissance n'a pas diminué cette fois-ci. Donc l'Afrique possède aujourd'hui 60% des terres agricoles. Je ne parle même pas du climat, puisque le climat africain est vraiment adapté à la culture agricole, hein, tout simplement. Mais attention, quand je dis l'agro-business, on ne va pas seulement se limiter au champ. On va également de l'agriculture, mais également de l'élevage, pisciculture et tout ce qui va avec. Donc, pour tous ceux qui veulent devenir milliardaires dans les années à venir, commencez déjà à acheter des terrains, aller titrer, acheter des terrains agricoles surtout. Parce que pour l'instant, j'ai envie de dire, ça ne coûte encore rien. C'est encore accessible tout public, presque. Donc, donnez-vous les moyens. Et maintenant, ce qui va séparer les gens, ce sera la méthodologie. L'idée, ce n'est pas d'acheter, de faire l'agriculture pour nourrir sa famille, mais c'est d'avoir un regard d'industriel, d'avoir un regard d'entrepreneur futuriste. Ce n'est pas juste de dire qu'on achète, on plante 2 macabres et ça y est, c'est fait. Donc, pensez à ça. Et regardez même que la Chine, les États-Unis, la France, les grandes puissances mondiales sont en train d'acheter massivement des terres en Afrique. Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop les terrains en Afrique. Hein. Ce n'est pas pour aller construire là-bas. Hein. Non, non. C'est parce qu'ils savent, ils connaissent le potentiel. Ils savent que les gens sont en train d'augmenter et les terres chez eux ne produisent rien du tout, j'ai envie de dire. Donc, autant mieux avoir des terres là où ça produit. Donc, pensez à ça. L'agro-business, c'est l'un des domaines qui fera des milliardaires de demain. Et n'oubliez jamais un truc. Peu importe le scénario, les gens vont manger. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il soit en temps de guerre, en temps de paix. Peu importe le scénario, les gens mangeront. Donc, c'est l'un des domaines sur lesquels
faut vraiment que vous vous concentrez si vous avez envie de faire partie des milliardaires africains de demain. Le deuxième domaine qui fera des milliardaires en Afrique dans les années à venir, c'est la microfinance. Oui, la microfinance totalement. Vous savez, deux choses à prendre en compte dans ce domaine, c'est que il y a de cela quelques années, le taux de bancarisation en Afrique était quasiment, était très bas en tout cas, était très bas, de l'ordre de 5 à 10%. De nos jours, depuis un dernier sondage en 2018, on était sur 20%. Et avec l'arrivée donc des banques numériques, des banques en ligne et tout, notamment comme Orange Money et MTN Money encore en Afrique et bien d'autres, ces taux ont rapidement grimpé, rapidement, très très rapidement grimpé, et ça va aller crescendo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont un compte bancaire. La deuxième chose maintenant, c'est de prendre en compte que en Afrique aujourd'hui, les gens ont du mal à pouvoir mettre en place les garanties que leur propose la banque afin de faire des crédits, pour pouvoir faire des crédits pour leurs projets et autres. Or, la microfinance, justement, son but, c'est de pouvoir faire des crédits et faire des retours sur investissement, c'est-à-dire faire des crédits avec intérêt. Donc, vous, maintenant, vous venez vous positionner sur la microfinance, vous financez des projets des entreprises. Vous pouvez, dans un début, une entreprise qui n'a pas forcément de garantie à déposer, vous leur dites tout simplement, vous faites un contrat en leur disant, écoutez, on va vous prêter de l'argent en contrepartie. Le taux d'intérêt sera une part dans votre entreprise, tout simplement. Et vous allez comme ça cibler des entreprises qui sont dans un domaine qui est porteur, c'est-à-dire vous allez carrément avoir des personnes qui sont là pour étudier les marchés, étudier les potentialités et vous permettre donc de choisir quel type de business vous financez ou non afin de pouvoir vous positionner sur des business qui sont très porteurs et c'est comme ça que vous allez rapidement vous enrichir. Et dans l'écosystème de la microfinance, on peut aussi également parler des assurances hein, qui sont très très similaire, très très proche, qui est également toujours pareil, c'est que vous allez vous positionner dans le marché de l'assurance, hein, qui est clairement l'un des marchés les plus productifs possibles. La seule barrière d'entrée sur ces deux domaines-là, c'est l'argent à l'entrée. Mais bon, à ce niveau-là, je pense que ce n'est pas le premier business qu'on lance, ça doit être peut-être le cinquième, voire le dixième business qu'on lance comme ça, et on aura déjà un peu de finance. Ou alors, plusieurs personnes se mettent ensemble, notamment les gens de la diaspora. Si peut-être 15 ou 20 personnes de la diaspora mettent 10 000 euros au sol, ils peuvent facilement commencer à lancer une microfinance dès le début. Ou du moins, pas forcément 10 000 euros, hein, leur montant. D'autres pourraient mettre même 100 000, même 50 000, peu importe. Mais si 10 personnes se mettent ensemble, ils peuvent facilement créer une microfinance sans se déranger. Donc, c'est un marché qui est accessible et qui fera véritablement des milliardaires parce que les gens ont plein de projets, il manque seulement d'argent pour les financer. Et les banques ne les financent pas. Après, je ne veux pas rentrer dans un débat politique parce qu'on sait tous pourquoi la plupart des banques ne veulent pas les financer. Parce que voilà, ces banques-là, la plupart des banques sont étrangères. Et ces banques-là, si elles financent, forcément, ça aide au développement et ça ouvre un autre débat. Enfin bref, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que le domaine de la microfinance est un domaine très porteur. Et c'est l'un des domaines qui fera des milliardaires de demain. Donc pensez-y, mettez-le un point de votre tête. Et quand vous aurez déjà 3-4 business à succès qui génèrent suffisamment d'argent, ou bien vous pourrez déjà vous mettre avec 2-3 personnes, voire 10 personnes, j'en sais rien. Mais créez votre microfinance. Et c'est comme ça que vous allez voir des vrais résultats, des vrais chiffres commencer à pleuvoir dans votre compte en banque. Troisième domaine, vous avez forcément soupçonné, c'est l'immobilier. Vous savez, l'immobilier n'a plus rien à prouver. La pierre ne manque pas, on le sait tous. Autant en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Chine, peu importe l'endroit du monde, la terre ne ment pas. Sauf que l'avantage de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a encore rien, si ce n'est très peu. Donc, il y a encore du marché à se faire, il y a encore de l'argent à se faire. Il faut investir dans l'immobilier massivement et tout le monde peut le faire. Je ne vous demande pas de commencer au début par des immeubles, non. Tout simplement de commencer par des petits business simples qui vont vous générer du cash flow et qui derrière vous allez investir dans l'immobilier progressivement. Mais pour faire de l'argent, il ne suffit pas de faire juste des petites maisons à louer, non. Pensez à faire des hôtels, des salles de fête, vraiment des infrastructures sur lesquelles vous allez vraiment créer de la valeur ajoutée. Je ne sais pas moi, des auberges de jeunesse, comment dire, des immeubles, des trucs de ce genre. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, le terrain n'est pas très cher pour l'instant. Et plus les gens prendront conscience de cela, plus les gens iront vers ça. Et je tiens aussi à préciser que les villes ne font que s'agrandir. L'exode rural est de plus en plus flagrant en Afrique. Et il va falloir loger tout ce monde-là. Donc, plus tôt vous vous positionnez, mieux vous serez sur le marché. Donc, arrangez-vous à pouvoir trouver un moyen de loger tout ce monde-là. Et face à chaque problème, il y a une opportunité de business. N'oubliez jamais ça. Chaque fois que
il y a un problème, sachez qu'il y a une opportunité de business. À vous de trouver la solution, de vous positionner au mieux possible et de faire et de prendre votre part du gâteau, tout simplement. Et l'immobilier, c'est aussi simple que ça. Le quatrième domaine dont on va parler, c'est la distribution. Je sais que la plupart des gens ne soupçonnent même pas le domaine, de se dire, mais comment ça, la distribution? Oui, les supermarchés. Et oui, les marchés de proximité, les magasins de courses et tout le reste. En Afrique, aujourd'hui, quand on regarde bien, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire et bien d'autres pays, ces trucs-là, du moins ces business-là, sont détenus en majorité par les Libanais, les Français. En général, vous regardez bien, vous allez voir. La plupart des supermarchés appartiennent aux étrangers en majorité. Et vous savez que s'ils viennent tous s'implanter là comme ça, comme Carrefour et bien d'autres, c'est parce qu'ils savent quelle maille il y a à se faire là-bas. Il y a énormément de l'argent à se faire là-bas. Ne négligez pas surtout ce domaine. D'autant plus que des producteurs pour les produits qui sont déjà locaux. Donc, ce n'est pas comme d'autres domaines où il va falloir beaucoup importer. C'est que vous vous positionnez dans l'hypermarché de proximité, les supermarchés, les supérettes. Vous allez vous faire énormément d'argent. Et encore une fois de plus, ça rencontre toujours la même problématique du début. C'est que peu importe le scénario, les gens vont consommer. Les gens consommeront toujours et toujours et toujours. Ça fait partie des besoins primaires. Pensez-y, les hypermarchés, ce sont des domaines. Demandez-vous juste pourquoi est-ce qu'il y a autant d'étrangers qui viennent créer des hypermarchés chez nous. Posez-vous cette question, c'est aussi simple que ça. Pourquoi il y en a autant qui viennent le faire chez nous, qui en ont même chez eux? Pourquoi ils ne restent pas chez eux, qui viennent directement chez nous là-dessus? Et surtout que ce sont des domaines qui sont accessibles. Je ne vous ai pas dit d'aller extraire de l'or, bien qu'il y ait de l'or chez nous, mais je vous dis l'hypermarché, c'est un domaine sur lequel il va falloir se positionner. Et il ne faut pas non plus que des milliards et des milliards pour se lancer. Il faut un bon petit capital au début, tout simplement, et avoir son réseau de distribution, c'est-à-dire son réseau de fournisseurs, autant pour moi. Et une fois que la boucle est lancée, ça y est, c'est parti. C'est très possible, c'est accessible à une bonne partie des gens. Mettez-vous ensemble, donnez-vous les moyens. Ensemble, on ira toujours plus loin. Deux, trois personnes qui ont un peu de capital, ils se mettent ensemble, ils lancent le suivi dans l'hypermarché. C'est en train de se développer à grande échelle. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, le grand mal qui est allé se positionner au Cameroun. Si on peut regarder, il doit en avoir d'équivalent au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est parce que les gens comprennent déjà progressivement. En Afrique, on est en train de s'occidentaliser. Les gens sont en train de vouloir ressembler à l'Europe, aux États-Unis et bien d'autres. Du coup, on commence à avoir ce genre d'infrastructure-là. Alors, il faut y penser. Parce que si on ne le fait pas, si on ne récupère pas ces marchés-là, tout l'argent sera rapidement expatrié. Alors que l'argent en local, c'est toujours mieux. Donc, si vous voulez être parmi les milliardaires de demain, l'hypermarché peut vous y mener. Pensez-y très bien. Comme toujours, on garde le meilleur pour la fin. Je suppose que vous vous en doutez tous. Hein? Le cinquième domaine qui peut faire des milliardaires en Afrique demain, c'est Internet. Vous savez, il y a de cela une dizaine d'années, quelques années en arrière en tout cas, la plupart des gens n'avaient pas accès à Internet en Afrique. Ce n'est plus le cas. Maintenant, la plupart des gens ont accès à Internet via leur téléphone, via leurs ordinateurs, téléphone et tout. Tout le monde, ou du moins une bonne partie de la population, a accès à Internet. L'Internet se démocratise. Et donc, par conséquent, ça ouvre certaines opportunités. Peut-être pas à l'échelle des Occidentaux, mais ça ouvre quand même cette possibilité-là. Donc, pensez-y. Notamment via e-commerce, infoprenariat, influence et tout le reste. Par exemple, on peut devenir influenceur en Afrique aujourd'hui. Hein. Il y en a notamment, il y a un Nigérien là qui fait énormément d'argent dedans, dont son nom m'échappe et que voilà, comme ça en cours de montage, peut-être je vous mettrai le nom certainement. Donc, il y a les influenceurs. Il y en a énormément d'influenceurs d'ailleurs en ce moment. Il y en a plein en Côte d'Ivoire, quelques-uns au Cameroun, mais énormément au Nigeria, notamment dans l'Afrique anglophone, il y en a pas mal. Ça peut être une possibilité. YouTube également est un marché là-dedans. Vous pouvez également vous positionner sur une chaîne YouTube. J'en connais d'ailleurs plusieurs au Cameroun qui font... Il y a une chaîne YouTube qui est là, qui présente le Cameroun sous un aspect touristique. J'aime beaucoup la chaîne. Elle a beaucoup d'abonnés parce que le gars, il fait du très bon contenu. Ça peut être une possibilité. Et je tiens à préciser quand même que quand on a une chaîne YouTube et que nos publics, les gens qui consomment notre chaîne sont en Europe et que nous, on est en Afrique, ben on gagne énormément d'argent, on gagne beaucoup plus d'argent parce que la publicité que YouTube montre aux gens qui regardent la vidéo depuis l'Europe, elle coûte beaucoup plus cher, elle est beaucoup plus rentable pour celui qui a posté la vidéo. Donc, ça peut être une possibilité, lancez-vous. Il suffit d'avoir un petit téléphone qui filme plutôt potable et vous commencez à produire vos vidéos tout simplement.
Et progressivement, ça peut être un moyen. L'e-commerce également. Tout à l'heure, on parlait de taux de bancarisation. Bah, plus les gens peuvent payer en ligne, bah, plus l'e-commerce se démocratise, tout simplement. Aujourd'hui, avec Orange ou MTN Money, on peut payer directement depuis son téléphone. Donc, pensez-y. Vous pouvez lancer vos e-commerce. Trouver un moyen de distribution. Si Jumia a pu lancer sa plateforme d'e-commerce, ça veut dire que c'est possible de pouvoir livrer parce que c'est l'une des vraies problématiques que pourraient se poser les gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce. Donc, c'est un marché qui est également ouvert parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens peuvent déjà payer en ligne depuis leur terminal, leur téléphone. Donc, pensez-y, le e-commerce, ce n'est pas qu'en Europe ou en Occident que ça rend riche les gens. Ça peut également être le cas en Afrique, à condition de bien le faire, de vous former et tout. Si vous voulez vraiment que, si vous voulez que j'insiste sur un ou un autre domaine, j'essaierai au maximum de trouver un entrepreneur qui vit déjà de l'un de ces trucs-là, l'un de ces domaines-là, et de l'interviewer sur la chaîne pour vous spécialement. J'espère que vous en avez appris davantage avec cette vidéo. J'espère que vous avez surtout aimé le type de contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez appris, ou du moins si vous allez lancer un autre business, ou si vous avez une autre idée ou quelque chose à rajouter, et je vous mettrai en favori pour que tout le monde puisse voir également. Mais surtout, mettez un pouce bleu si vous avez aimé également. Merci à vous, c'était Herman. Ciao, ciao.